J'ai eu la chance il y a 2 ans de partir un mois avec Erasmus en Irlande, ce qui m'a permis de me familiariser avec, avec les lieux et tout ça. Du coup, nous deux, on est partis à Tenerife. Ensuite, nous deux, on est partis à Madrid. Et moi, j'étais à Majorque, dans les îles Baléares. Très belle occasion pour nous de faire des rencontres aussi à l'étranger. Voilà, après, je pense qu'on a tous vécu une très bonne expérience et on n'en garde que des bons souvenirs. Il y a 40 pays qui participent aux Erasmus dès aujourd'hui et les personnels des agences sont majoritairement sur place pour voir un petit peu comment les choses se passent et surtout pouvoir discuter avec les équipes qui montent ces projets. On sait que c'est du travail et de l'investissement, d'apprendre et de découvrir aussi surtout la culture étrangère, d'autres façons d'apprendre, d'autres façons de vivre. C'est toujours évidemment un challenge pour tous les participants. Donc là, je vais vous conduire deux offices qui correspondent avec deux cuisines. Donc là, on a la première cuisine ici, donc avec les mini-hardis qu'on est en train de préparer du coup. Là, juste ici, donc la cuisine, la deuxième cuisine, la plus grande. Second et les mentions organisateurs de réception qui donc ont mis en place ce buffet hein, pour régaler tout le public. Depuis 2 jours, on est là-dessus. Puis en plus, on est vraiment partenaire avec les enseignants de BTS. Donc chacun a sa tâche et qui est bien accomplie. Excellent accueil. On sent que le menu est un menu de gala et je remarque également qu'il y a une implication de tous les élèves qui fait chaud au cœur. Donc nous sommes très heureux de partager ce moment. Merci Erasmus.